Et hey, yep là, bonsoir à tous, bienvenue sur stream. T'as Dayzan qui fait balalé. Bon, tu peux y voir Dayzan si ça marchait mon tweet, si apparemment c'est je vois le retweet des grands moules. Putain, ma connexion mais elle est complètement éclatée en ce moment, c'est horrible. Bon bah allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Le grand moule. Ça commence fort. Ouais non mais honnêtement, j'espère que je vais pouvoir streamer, mais je ne promets rien. En gros, avec ma collection, je télécharge 200-300 kilos en ce moment. Je peux pas charger Twitch. Steam, ça galère. Twitter, ça galère. Enfin bref, tout galère, quoi. Donc, ouais, J'ai aucune idée de pourquoi ça merde autant. Je sais pas, il est en problème de connexion sur le réseau en ce moment. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Bref, tout ça pour dire. Ce soir, découverte du DLC, du nouveau DLC de Dead Cells. Donc pour la première fois, c'est un DLC payant. Jusqu'à présent, c'était que les DLC gratuits. Donc là, c'est la première fois qu'ils font un truc payant depuis la sortie du jeu, il y a maintenant assez longtemps. Donc le DLC, il sort ce soir. Il s'appelle Bad Seed, c'est à 5 €. Et en gros, pour 5 €, vous allez avoir deux nouveaux environnements. Vous allez avoir de nouvelles armes, plus différentes choses comme ça, un nouveau boss, etc. Yotaz. C'est payant, scandaleux! C'est payant, scandale, UX. Pardon, c'est scandale UX. Allez-vous? On va lancer une run pendant que la connexion elle tient. Alors pareil, c'est comme hier en fait, vu que j'ai pas pu lancer, vu que je peux pas charger les pages Steam, les pages Twitch pardon, j'ai le stream, enfin j'ai le chat dans le restream quoi. Donc voilà. Donc s'il y a des trucs que je vois pas, bah, c'est normal. C'est pas que parce que je vous aime pas en fait. Ah oui, c'est B pour faire la truc. Conditions actuelles. Ouais, on va se mettre en. Voilà. On va commencer cool. Il a pas payé, exactement. Donc ici, hein, c'est pour configurer son. C'est pour configurer ses fringues. Sachant qu'il y a énormément de trucs à déverrouiller, hein, comme vous pouvez voir. Mais celui que j'ai là actuellement, je le mets, donc je vais le garder pour l'instant. C'est pas trop fort le jeu. Donc là-haut, on a toujours le défi quotidien. Je pense pas qu'il y ait de trucs ici. Oups. Voilà, donc ici c'était un truc à débloquer hein, pour des nouvelles choses, mais c'était il y a longtemps. Alors, un truc qui est cool en fait, c'est que. Les nouvelles zones, en fait, elles sont accessibles dès le début. C'est des zones alternatives pour les premiers environnements. Donc ça permet à tout le monde d'en profiter. Et pas uniquement... ceux qui sont super forts. Attends, j'ai quoi actuellement? Même si je peux le recycler. Bim. Thank you.
Ah, du coup, j'ai pas encore. Bon, on va partir là-dessus. Sur le dégât des armes. Bon, si on sera bien tout le monde. Hein. Il y a le reste. Ah, mais non, mais. Quelle tâche. Pour montrer que c'était pas de la chance, je peux le faire deux fois sans me faire toucher. Donc là par contre en fait j'ai tout fouillé parce que j'ai absolument aucune idée d'où est d'où la nouvelle zone. Alors ici, égout toxique, ok. C'est vrai, mis à part les connexions, tout va bien quoi. Et pas fait par Motion Twin apparemment, j'ai vu. Ouais. En fait, enfin c'est Motion Twin, c'est enfin c'est Motion Twin Evil Empire en fait. Hein, voilà. Rapide, ouais, pourquoi pas. Tiens, nouveau venu. Mais c'est l'année royale avec tout l'aspect que je dois baisser aux heures et finir dans le monde de l'éthique. Ah, cool, nouveau vêtement. J'ai la clé de la Sarre. La clé de la Sarre, c'est un des deux nouveaux environnements. Merde. Joli. Je crois qu'on part sur une grosse run. Bon, il est reparti. Bah, allez, go. Bon, là, c'était pour rigoler, évidemment. On sait bien que je suis pas aussi mauvais que ça, quoi. Bon, donc du coup, donc il faut qu'on trouve une clé. Il faut qu'on trouve une clé pour. On est là, déjà, ouais, je charge plus les emotes sur le stream, non mais c'est terrible. Mais je me demandais ce que c'était vos emotes. Mais du coup, je comprends mieux. Vos emotes, c'était rien. Oups.
member, the new game studio, the next mission team member, the new recruit. Game, you shall respect the mission team, you can serve your NPM because you want to be in the fight for some technical. Sois content, t'en as plus de faire, t'en donnes. Ah, mais c'est ça, mais c'est complètement dingue, mais c'est vrai en plus. Et j'ai un upload qui est supérieur, je ne comprends pas. Là finalement je suis à peu près constant en upload à quasiment 700 et en download non, mais vraiment pas quoi. C'est une de mes chaînes Twin, c'est ça. En fait j'ai vu que c'était effectivement Evil Empire parce qu'il y en a un en fait qui a quitté qui a un dev qui a quitté Motion Twin il y a pas longtemps. Bah, je crois que j'avais peut-être retweeté. Torche, c'est pas mal ça. Yo Malakin. J'avais pas vu que t'étais là. Ça dépend, tu parles de qui? En tout cas, c'est super cool parce qu'ils m'ont. Bah, j'ai demandé, ils m'ont envoyé une clé, donc j'étais vraiment content. Ok, bon, voilà, voilà, on va encore faire pas la même chose que tout à l'heure. Hein. Parce que ce coup-ci, on va essayer de pas se faire fumer. Bim bim, ok go. J'ai du mal à comprendre comment j'ai réussi à me faire fumer tout à l'heure. ouais, on va y aller maintenant, ouais, go. Respect intelligence of the people playing, même en même temps, vu le niveau. Allez, c'est ça. Ah mince, c'était 2 minutes. Ah, débouté. J'ai mis 2019. Flûte. Bon, bah, j'ai pas le bonus. Je suis déçu. Y'a pas eu que tu streames. Tiens, là, des biens. Ah, mais faut la débloquer. Non, sans déconner. Ah, je croyais que les tenues, on les récupérait, quoi. Je me rappelais plus qu'il fallait les acheter. Dur. Ça vaut le coup d'augmenter en plus, ouais, pourquoi pas. Ouais. Attends, ça coûte rien, j'ai plein de thunes. Limitation, ouais, carrément. Alors, qu'est-ce que je prends d'habitude? Je sais même plus. Ça peut pas être trop mal, nécromancie. Ouais, quoi que non, on va jouer full DPS, quoi. Ouais. De toute façon, aux Illuminati, un petit lien pour ton échec tout à l'heure, bestia. Ouais, je pense aussi, ouais. Je suis à moitié, mais du coup, pourquoi certains ont quitté Motion Twin pour créer Evil Empire si le boss est avec la même philosophie, pour l'instant, les mêmes locaux et pour l'instant, sur le même jeu? Alors, il y en a au moins un qui est parti de. Il y en a au moins un qui est parti de chez Motion Twin, vraiment. Et qui va dev à côté, quoi. D'ailleurs, c'est dommage parce que c'était un. Bah, c'est un excellent. Bah, il fait des trucs excellents et puis il était là depuis je sais pas, 16 ans, un truc comme ça. Quoi. Bah, apparemment, il était plus trop ok avec la philosophie globale, ils n'arrivaient pas à trouver un nouveau jeu sur lequel bosser en fait, où tout le monde se mette d'accord. Comme elle est cool la zik. Ah
Il est joli ce niveau aussi. Hein. Mais du coup, est-ce que je pouvais partir à droite? Je pense pas. Hein. Ah, mais si, je pouvais complètement partir à droite aussi, mince. Ce qui est investi au plus haut, du coup, on a de beaux talents en France quand même, d'être sale, furie, temper. Non, il y a des très bons talents, franchement, il y a des excellents studios de dev en France. C'est excellent, il... enfin c'est excellent. Donc lui il jette. Ah oh je crois que sur je sens que c'est Deep Knight sur éventail. C'est Deep Knight, je crois, sur Twitter, la personne dont je parlais, qui putain, je me fais complètement beau là, ce temps que le temps de comprendre un peu les patterns des ennemis là. Là. C'est un mec qui fait souvent des game jams et qui fait des trucs vraiment excellents à chaque fois. Et apparemment, en gros, il disait que qu'il était plus trop en phase avec l'équipe et que et qu'en fait là ils n'arrivaient pas à trouver une nouvelle bonne idée en fait. En gros jusqu'à présent ils ont toujours bossé à un ou deux pour un peu le game design etc et après ils raccrochaient tout et ça bossait à fond. Et Shirogane, Motion Twin, Evil Empire, Bordeaux, ouais c'est vrai qu'à Bordeaux quand on sort des trucs cool hein. Et apparemment lui il a fait beaucoup de game jam, il a fait plein de protos et en fait il n'y a jamais tout le monde qui était d'accord pour un truc. Et du coup ça prenait du temps, enfin c'était pas... Ouais. Ouais, Volant c'est français, ouais, moi je suis pas ultra fan des Volant, par contre je suis ultra fan des Northgard. Et Darksberg, bah faut la voir, ça l'a... Mais du coup même les Darksberg, je pense pas qu'elles soient encore actives demain, je verrai. Faut que j'aille les voir, mais carrément. Mais si tu es à Bordeaux, va faire des bisous à Dyson. Hein. Mais du coup, ouais, a priori, là pour l'instant, ils sont pas. Je pense qu'ils sont en train de chercher un peu leur. Ils sont toujours pas ok, enfin ils sont toujours pas d'accord pour savoir ce qu'ils vont faire pour la prochaine. Pour le prochain gros jeu, on va dire. Ouais, enfin des bisous à Fata quand même. Ah bah voilà. Marée des fugitifs, ok, donc c'est sa deuxième nouvelle zone, je pense. Et Romalakin. Poulko, mais oui, Poulko le rappeur, évidemment, quoi. Il est de Bordeaux, mais bien sûr, mettre un trois coups, il peut être que de Bordeaux. De l'Orvault, c'est pareil. Les terres de contraste sont très différents et méditerranéens. Cette zone KMV avait
C'est un KMV avait dans la zone promenade. D'accord. Ah, c'est bizarre, normalement il n'y aurait pas eu. Oui, effectivement, il n'y a pas de raison de. Et du coup, il a fallu que je trouve la clé du jardinier là, pour. Mais du coup, MV, il est sur quoi? Il est sur une nouvelle run ou il a pris une vieille save qu'il avait? Cette zone en plage. Ouais, là-haut. Putain. Elle me rend fou les. Les plantes, elles m'en rendent fou. Alors j'ai le choix entre une épée large qui est cool, ça qui est pas mal aussi. L'épée 434. Là, je suis allé partout, là aussi. La porte que t'as vue, mais un machin. Il a jamais vraiment joué à Dead Cells à part le livret. Là, avec les devs, d'accord. Il a joué sur GOG et joué sur Steam pour. Ok. Dague d'assassin. Ah oui. Oui, ils l'ont changé le skin, j'ai l'impression. Ouais. Bon, pour l'instant, ça va, ça drop pas, mais par contre, mais c'est vrai que c'est ouf, hein, de se dire que finalement, là, en ce moment, j'ai une meilleure. J'ai un meilleur upload que Dunlop. Pourquoi pas. Ah, le compagnon champignon, je l'ai vu en. Il montrait dans le teaser du jeu. Hop. Du coup, tu sais un peu ce qu'il y a dans le DLC, j'ai vu il y a 2 minutes dessus, qui disait qu'au final c'est parfait pour les nouveaux joueurs, mais ceux qui ont déjà fait le jeu, au final ça n'a pas changé grand chose. Alors en gros, dans le jeu, il y a 2 nouvelles zones,
mais qui sont des zones alternatives de ce qu'il y avait avant, dans ce qu'on voit là. Donc la zone là, une autre. Donc un nouveau boss également. Mais en gros, c'est pour avoir une route alternative avec, par rapport aux deux premiers mondes et les premiers boss. Il y a deux nouvelles armes au moins. Et après, il y aura d'autres trucs dedans, peut-être de nouveaux objets ou des choses comme ça, quoi. Mais après, clairement, je pense que le jeu, là, le DLC, il est peut-être plus destiné à varier les runs pour... Mince. Après, c'est sûr qu'il y a de nouveaux objets, vois, comme le compagnon, comme un machin. Bah, du coup, il y aura des nouveaux skins également. Après, pour le endgame, je sais pas trop ce qu'il y a, quoi. Je fais quoi, ça là? 40 dégâts, ouais. Après, je pense qu'il n'y a pas non plus tant de monde que ça qui a vraiment fumé le jeu, quoi. Enfin, je pense que des gens qui ont réussi à péter le trou last boss, à mon avis. Ok, profondeur de la prison. C'est pas là que je veux aller, moi. Moi je vais aller dans l'autre nouvelle zone. Mais après je pense que c'est une bonne fin. En même temps, je pense s'ils auraient pu éventuellement mettre les nouveaux environnements vers le début et vers la fin, pourquoi pas. Mais après d'un autre côté, c'est vrai que si tu fais des environnements que t'as vraiment tard dans le jeu, bah, y a beaucoup de gens qui vont pas en profiter, quoi. Alors ce qui est cool là, avec le fait de mettre une alternative aux deux premiers mondes, c'est que bah, t'es sûr que tout le monde va pouvoir. Tout le monde va aller voir, quoi. Bon, j'ai pas du tout mon arme. Toi de la prison, c'est pas là non plus que je veux aller. Bah mince. Ah non, il était tout à droite, c'est ça. Oui, c'était ça, Marée des fugitifs, c'était là-bas que je voulais aller. Et donc du coup il n'y a rien à voir, mais donc pour Dirt Rally 2 c'est archi mort parce que bah c'est pas possible, quoi. Il me reste encore 12 gigas je crois télécharger, mais en gros ça alterne entre 2 jours et 1 jour et 15 heures, un truc comme ça. Donc, Alors des éventails, repoussant projectile ou fait infliger des dégâts, d'accord. Et le compagnon aux champignons, ah mais c'est en pouvoir. Ah non mais d'accord, c'est un pouvoir, ok. Comme j'ai cru que c'était un truc, j'ai cru que c'était une... J'ai cru que ça faisait partie des mutations, enfin non, c'est... T'as vu qui? Demande à Gramoulsu de pédaler plus vite dans la cave. Ouais. C'était hyper osé comme partie en même temps, mais c'est que partie remise. Mais là, ouais, le truc, c'est qu'en fait, c'était pas vraiment osé, hein. Je l'ai mis en téléchargé il y a super longtemps. Enfin, j'ai commencé la semaine dernière, donc je me suis dit, bah c'est bon, j'étais large, quoi. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'aurais pu largement avoir eu le temps de finir, quoi. C'était quoi ça? Des mecs à miroir précis qui vous seraient utiles dans votre chasse.
Moi, je voulais skin. Voilà. C'était son tas, il le sait. Hein. Skin supérieur à skill, hein, évidemment. Reforger. Monte en plus, ouais. Et c'est vous. Papapam. Pourquoi pas, non. Bah, c'est vrai qu'il est pas mal, mais à la limite au pire, je vais prendre l'écran aussi. Un petit joueur de jeu plus ou moins indé, c'est un jour à l'alignement de la. Cette séance, c'est un peu ma boule, il peut arriver plein de pépins. Non, mais sur Steam, tu reprends jamais au début, ça se passe bien, quoi. Mais ouais. Et peu connu. Petit stream de trop vieux, exactement. Non, mais c'est con, ça, honnêtement, j'aurais pu avoir terminé, mais. J'ai dû bénir son œil, c'est ça. Il y a une mémoire sélective, mais instantanée, quoi. Il n'y a pas de mémoire flash, quoi. Oh! Sympa ce petit décor aussi, là. Ah! Ah mais d'accord, j'ai cru que c'était un boss le machin là, mais en fait non, c'était juste. Okay. Ah, ça fait un peu penser à cette zone de l'horreur dans Dark Souls là. Blighton. Oh. Ah mais d'accord, Putain, mais eux, ils pop comme ça sans tambour ni trompette. Hein. Pas s'embêter pas sur internet. Quelque chose a eu du mal d'un coup, mais c'est revenu. Ah ouais, oh mince. Ah ouais. Je peux émis, mais je peux comprendre l'érection, je crois. Il y a plus de stream là chez moi. Non, mais après, je pense c'est juste parce que, en gros, voilà, c'est. En fait, ce qui est ouf avec. Avec Adeniam, c'est que. De la vie de tout le monde, c'est un peu le découvreur de jeu indé, mais en vrai, il fait énormément de triple A, quoi. Après, il fait ce qu'il veut, c'est pas le problème. Mais ce qui rend assez fou, c'est qu'il soit. Il soit quand même. Considéré comme beaucoup comme. Comme monsieur indé, alors que bah non, carrément pas, quoi. Il en fait, mais. Je veux dire, à la limite. Limite, Zerator, il est autant monsieur indé que lui, du coup, quoi. Voire même plus, d'ailleurs. Et puis après c'est Monsieur Indé, mais en vrai c'est Monsieur Indé pour les indés qui ont du potentiel, quoi. Après encore une fois hein,
c'est aussi parce que voilà, lui il le fait de façon différente, quoi. Il le fait de façon en vive, donc c'est, voilà, tu n'as pas forcément les mêmes choix à effectuer, quoi. Alors, clairement, si j'ai un jeu, j'ai envie de le montrer, bah, je le montre. Hein. Je m'en fous qu'il n'y ait personne qui regarde, voilà, c'est pas grave. Alors que lui, évidemment, s'il fait une vidéo où il y a moins de vues que d'habitude, bah, c'est le stress, etc. Quoi. Ouais, c'est pas tout fait chier en fait pendant très longtemps, c'était par rapport à Celdel en fait. C'est Celdel, il faisait vraiment super chier avec l'Indie Mag. Et pourtant tout le monde, enfin tout le monde disait c'est Atomium, alors qu'en gros c'était Celdel qui faisait tout et voilà quoi. Genre Atomium il ferait pas une vidéo de TMPR, exactement. Passer le lien avec les gens qui bossaient, ça m'a tout. Vous voulez te défendre, c'est pas être plus haut, mais moi je prends pas parti. Oui, non, il y avait ça aussi. Ouais. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu tout le problème avec. Quand il y a eu ce truc sur jeuxvideo.com où les mecs ils se faisaient pas payer et tout, ils sont tous barrés au moment où il y avait le 36-15 fusible et tout ça. Et effectivement, lui il avait pas pris parti. Mais là encore, voilà, c'est un choix parce que. Bah parce que derrière t'es Webedia et tu sais que bah, si tu prends parti, bah voilà, hein, la porte se ferme quoi. Bah elle est bien celle-là. Enfin ça m'emmerde, c'est toujours une épée large, mais elle fait des dégâts quoi. Je vais chercher les points de vie parce que j'étais comme pas très bien. Mais clairement ça m'a vraiment fait halluciner que pendant très longtemps Indie Mag était toujours associé à Atomium, alors qu'en vrai c'était celle-là qui faisait tout quoi. Le plan d'un bouclier. Ah. Oh genre. Oh c'est quoi ça? Oui, enfin c'est un wood, merci mais. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire des bonus un peu comme le Scafren C'est vraiment cool ces ennemis qui tombent du plafond là. En fait, je suis obligé de mettre de la pause rapidement parce que vu que j'ai pas la fenêtre de chat, je suis obligé de dire à la volée quoi. Ça va être un peu moins méchant avec celle-là la prochaine fois qui sera méchant avec tout le monde. Déconnecte les bases et l'or en fait. Voilà, fin la parenthèse, c'est le mec, je peux pas blairer pour ses prépositions en mode des jouettes. L'or, c'est la vie. Mange quoi ce soir sinon? Alors moi j'ai mangé trio de choux avec jambon. Putain, j'ai complètement oublié que j'avais une arme secondaire dis donc. Ça demandait ce canne en dessert. Les cannes, ça t'avance quand même. Ouais. 132, elle fait combien la mienne? Bah, elle fait pareil en fait. Hein. Ah, mais là c'est une 6, du coup je pourrais passer en 6+. C'est une cible qui brûle, mais ouais, mais elle ne va ni brûler ni empoisonner. Mais je vais quand même la prendre. Voilà. Tac.
avec du PC Gamer pour se bourrer la gueule vite. Ah oui, d'accord. Ah, on est comme ça. Monsieur travaille trop, du coup, il se met des races pour oublier qu'il travaille comme un fou. Ok. Bravo la jeunesse. Bravo, pas bravo. La modération, évidemment. Extrêmement responsable. Non, Robin est fil du rouge, c'est ça. Il m'intéresse à chaque fois, ça va me l'en en biais. Beaucoup pour ça la première fois, après on s'habitue vite. Bim. Mais genre j'ai un parchemin de puissance que j'ai pas récupéré. Ok. C'est un côté... Je l'ai éclaté, Jean-Michel. Ouais. Eh oui, j'ai mis. Une sarbacane. Ah ouais, mais du coup il y a plus que deux armes en fait. Il disait deux armes, en fait il y en a beaucoup plus. C'est aussi là, ici du coup, vu qu'il consomme avec lui-même, il peut se voir la gueule, ça le sera, c'est tellement technique. Ah, il y a tout qui a été pensé ici. Rien n'est au hasard. Ils sont relous, c'est avec les sarbacanes. Bon, avec la tête en moins, ils sont moins embêtants, mais... Même Malakine, même tech. Putain, mais au lieu de faire des wiki sur ce manager, il faut m'expliquer les features du chat au bout d'un moment. Tu veux que je fasse un wiki de chat, hein? Non.
J'aime pas un peu lui, non? T'es pas suspect cette zone, hein? C'est lié, hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire, là. Non, ça sent pas le truc où la petite zone secrète quelque part, non? Alors est-ce que je fais les partout? Je pense que oui. Hein. C'est vécu une sainte figure maternelle. Une étrange exhortation à consommer du vin. Ah bah ouais, on y vient. Voilà. Bon, je suis sorti de l'écran. L'art de la droite terminée, on entame le chapitre vignoble. C'est ça, je crois bien. Incroyable chez Bestio, mieux qu'One Piece. Bon, du coup, j'ai débloqué plein de trucs. Enfin, j'ai débloqué. Un fichier de cookie qui se fait former un ennemi dans le dos. D'accord. Ah, ouais, c'est une arme de fourbasse quoi. Tu mets les critiques dans le dos. Alors, le Hood, il fait quoi? Ah, mais c'est vraiment une attaque de mêlée, là, le Hood. Il me trouve une attaque à un fichier coup critique si vous frappez au bon moment. Ah, ça peut être marrant ça. Allez, pour le fan. Bon, c'est embêtant parce que du coup, voilà, mais. Attends, il met combien? Il met 650. 1600 en. Wow. Ouais, je pense que c'est quand c'est rouge que ça. Ah, on va y croire. Ouais, qui a été plus. Boum. 20% de dégâts, ouais, ok. C'est ça qui est pas mal, ça. Bon, du coup, on va arriver sur le nouveau boss. T'as craqué pour le DLC, mais en fait, j'ai eu la clé. J'ai demandé gentiment la clé, ils me l'ont donné. Donc j'ai pas refusé. Au travers des vignes. Putain, ils me font bad à l'extrême. Pour le gling là. Gling gling. La tanière. Donc voilà, donc là c'est le nouveau boss. Je t'ai envoyé la clé bêta. Ah merde. Ah bah du coup tu peux la garder pour toi alors. Ah mais bah, clé bêta de. La même antique. Je pense qu'on va taper là, ça paraît bien. Aïe, aïe. Putain.
Bonjour. Et bah heureusement qu'il est normal parce qu'honnêtement, j'ai absolument rien compris à ces patterns. Ça, c'est dit. Ah, la faux griffe gauche, ça paraît pas mal ça. Ouais, le fou, on va le mettre à la place de ça. Bon, incendiaire, on va le mettre là. Ah, j'ai tombé la clé de la branche bêta du jeu. Ah, d'accord, nickel, impeccable. En anglais, c'est pourquoi moi je suis une à confier le dev DLC à Yvonne Ampère. D'accord. Et merci, Gramoun. Ouais. Mais je pense, enfin, après, il faut lire l'article, mais je pense qu'en fait, tout simplement, parce que là, ils veulent se concentrer sur un nouveau jeu, en fait, et que bah, ils voulaient splitter une partie de l'équipe pour continuer à travailler sur Dead Cells, mais que eux, ils commencent à passer sur autre chose, quoi. Donc ici c'est le truc pour quand on est grand, quand on a fini de tout débloquer dans le jeu, hein, donc il va vous prendre à peu près 10 000 heures, voilà, vous pouvez faire des trucs en plus quoi. Voilà, comme là on peut reforger. Ouais non c'est pas. Alors faux griffe gauche, ça c'est cool ça. Ah mais attends, il faut influer un coup critique si vous effectuez votre attaque par exemple avec la griffe droite. Ah merde, mais du coup il faut les deux armes alors pour ça. Ah ouais, chaud. Putain, mais il y a tellement de trucs à débloquer, c'est. Alors évidemment, plus vous jouez en niveau de difficulté élevé, plus vous récupérez de cellules. Hein. Bah ça, là je suis full en mutation, donc on va pas. Ok. Et donc là, comme d'hab, j'ai le choix entre le guide des brumes et. Je sais plus ce que c'est l'autre. Et le cimetière du Val. Ah ouais, au cimetière, ouais. Bon, en tout cas, les nouvelles zones sont vraiment cool. Le boss, il a l'air pas mal aussi. J'ai vraiment pas tout capté, c'est. J'ai pas tout capté à ses attaques, mais. Ah, ça c'est marrant ça, les bots. Mais bon, on va continuer à bosser, on va continuer à jouer au Wood. Vu que Gramoul l'a kiffé le Wood. Aïe! Ouf! Je connaissais même pas ce mob là qui fait spawn des mouches. Thank you.
Aïe, ouh. Est-ce que les cimetières... est-ce qu'il y a un passage? Oui, un passage pour celui-là. Ah mince. Scénariquement, ça me dérange. Ah ouais, le petit gloom, t'aimes pas toi. Et ça, ouais, du coup, ouais, c'est clair, parce qu'en fait, donc j'ai eu la clé là pour le truc. Tu l'as testé, toi, un peu le filament ou pas? Sur la vidéo, ça a l'air plutôt sympa là, le jeu. Tiens, ça, c'est un truc où on peut faire quelque chose là. Mais par contre, peut-être qu'il faut les trois. Ouais, je pense qu'il faut les trois. Réseautage? What the hell? Ouf! Ouais, le fouet est quand même grand, mais c'est une petite musique, je suis un peu trop bucolique, mais là, avec le CD d'or, ça me rappelle mon enfance, quand mon frère écoutait Depeche Mode et des Millennium Farm. Oh, bordel. Que dans le genre, c'était pas mal aussi quand t'es gamin avec leurs clips en pré. Ouais, non, mais. En même temps, quand t'étais gamin, il y avait plein de clips qui finalement foutent un peu les miquettes. Hein. Je crois que j'ai jamais vu cette zone. Quoi cette zone? La caverne? Je sais pas ce que c'est. Alors note pour plus tard, ne pas aller dans les trucs roses. Ben on ira dans la caverne après, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais merde, mais...
Bien joué. C'est quoi, pardon? Ah oui, là, c'est la zone secrète, il faut 50 clés différentes et il faut collecter depuis le début du jeu. J'ai jamais fait ça, il faut que je le fasse un jour. Toujours paru sympathique, comme quoi ça dépend vraiment du cahier des charges chacun. Pourtant, Grimoud n'approuve pas du tout les inconnus, faut le savoir. Il est bourdon, mais qui est à The Cure, c'est perturbant. Qui nivelle est à nous. Il est cool l'article, d'accord. Et bah, comme ça, tu vas pouvoir nous faire un résumé, et ça, c'est beau. Ah, il me propose quoi? Il me propose des trucs dont j'ai pas grand chose à carrer, hein, on va pas se mentir. Oh. Monster Hunter World, waouh! Ah, merde, tu vas faire quoi contre. Pardon. T'as déjà allé voir ce que c'est là, la zone bleue en bas là? J'ai aucune idée. Ah, c'est un truc d'histoire. Git good. Quelque chose a changé. Merde. Ils ont vraiment fait le truc qui fait que tous les mobs vont se relever là? Oh. Ok. Ouais. La femme concerne. Je fais donc jamais. Essaye de passer la gueule aux arrêts à distance, mon toute amitié. T'as aussi dans le reste de mes stats. C'est là de ton plancher, tu vois. Quelque chose a changé, d'accord. J'ai honte. Ouais, on faut pas. Enfin, un peu, mais. Attends, il y a une caverne par là. On va aller voir en haut ce qui se passe. Et ce qui embête, c'est qu'en gros, là, je suis. Ouais, je suis pas allé plus loin par là-bas, quoi. Il y a des milliards de trucs à découvrir. Hein. Pas si mal. Oh! Bon, en vrai, le loot c'est rigolo, mais c'est quand même vraiment lent pour frapper quoi. En fait, le feeling de ce jeu est vraiment incroyable. C'est tellement agréable à jouer.
Ah non, mais ça se voit, ils mettent un légendaire et c'est un bouclier, quoi. Bah ouais, mais écoute. Si ça, c'est pas du troll, je m'y connais pas. En fait, dans l'article, on apprend qu'il bossait avant chez Callisto. Ah ouais? Ça fait une éternité que j'avais pas entendu ce nom, quoi. Ah, du coup. Il me faut la clé de l'architecte, mais du coup je l'ai pas. Donc genre là je vais aller... Ah je peux pas y aller. Ça je vous, j'ai c'est pas l'info que leur tient, j'en vois un peu, je connais pas Callisto de base, juste les balistos, ok. Style de tube sorbet, j'ai pas le rapport, oh la vache. Sort dans le jeu Callisto. Ah ouais? Du coup, j'ai fait un après, mais 2 jours après on apprenait que le studio se fermait. Excellent. Bon bah allons voir la caverne. Hein. Merci. Alors, résultat, j'ai fait quoi? Les ennemis avec des flashs plantés dans le corps partagent 20% des dégâts subis. D'accord, marrant. Il y a plein de mutations qui sont carrément trop cool. Hein. Oh, excellent, je vais avoir la tenue. Bon, alors du coup. Ah mince, j'ai presque le miroir du chasseur. On va comme les prendre, ça. C'était plus proche avec les calipos, quoi. Je t'avoue, je ne connais pas les calipos. Mais la caverne, ça me dit vraiment rien. Ça devrait laisser quelle était leur utilité. Bateau d'instinct commandant au bonnet, exactement, Calypso. Ah mais si je suis déjà allé en plus là. En fait. Ça me dit vaguement quelque chose. Ah si, je suis déjà allé en fait.
Ah bah c'est bien ça. C'est marrant, la place avec caverne d'être un niveau complètement ouvert. Et c'est Alice. Alors, il y a ça, depuis tout à l'heure, je regardais des trucs utilisés sur Depeche Mode et une POC c'est Telebeat Friendly, ça quand même. Puis au pire, mon frère a cet album là. Ah, je peux pas aller voir sans. Ma connexion elle va chier mourir, mais. Oh, y a un nouveau cool, un nouveau skin. Ouais, tenue de fête. Attention au strike. Et en plus, oui. En plus, y a ça. Ça, j'ai même pas pensé sur le coup, mais. Ah oui, ils sont un peu vénères les gros pigeons. Mais je crois que cette zone, j'ai dû y aller une fois en fait. C'est que je suis super vite là et du coup il y a plein de zones. Enfin, ouais, je pense que j'ai à rechercher un peu. Bordel, faut que je révise mes capitales. Qu'est-ce que ça, t'as perdu votre réelle poursuite ou qu'est-ce qui se passe? Tu entends une dépêche ma très tôt, tu remets les mêmes. Ouais, ça, je me le mets aussi. C'est pas. Bon, c'est pas le truc que j'écouterais. Merde. Oh, je me suis trompé. Oh Dieu. Ah mince. J'espère que tu n'es pas fier de toi, Daniel. Oula. Un note pour plus tard, dans le dos, ils ne sentent absolument rien. Vous êtes toujours sur le début, puis je suis pour faire pareil. Non, mais j'ai un défi de la part de monsieur. Hein. Il y a du soin, très bien. Pam pam pam, là on allait partout. Là je pense qu'on allait partout aussi. Là on n'est pas là à droite. C'est passionnant, Blackin, c'est ça. Black pour sa vie. T'es des biens en plus, c'est super efficace, dégâts critiques et tout.
Ouais, je continue à prendre ça. Salut! Oh, mais d'accord, il fait tomber des trucs du ciel. Ah, mais encore un. Ah non, c'est armure de glace, pardon. Et ça va, ouais. J'ai cru que c'était un skin, mais non. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Clara Delbert. Je vais même pas y aller voir avec mon internet. Mon internet mourant. Putain, mais. Mais pour de vrai, j'espère quand même que ça va être. Qui va revenir quoi, parce que bah comme j'ai dit en fait apparemment il y en a encore pour au moins 2 mois hein, avant la fibre, du coup je suis bien blasé, donc j'espère que mon internet normal va revenir un peu mieux qu'actuellement, parce que si j'ai 2 mois à tenir avec une connexion comme ça, c'est un peu relou. Pour rien. C'est fabuleux. Tu pourrais le voir sur le Discord de Tassa, d'accord. De continuer de vouloir bosser sur un jeu sur lequel t'as déjà travaillé pendant plusieurs années, à un moment t'en as juste marre et c'est plus facile. Ouais, voilà. Bah, c'est un peu ce que j'imaginais, quoi. Et je t'ai dit, celui qui est parti, là, il est parti parce que lui, il veut bosser sur un nouveau jeu et qu'ils savent pas se mettre d'accord sur quoi bosser, en fait. Pour ça, Clay gère super bien avec leurs différents projets pour faire des transferts. Ouais, mais c'est vrai que finalement, Clay, ils ont vraiment plein de licences, quoi. Et ils pourraient faire ça, clairement, chez Machine Twin, quoi. Sauf qu'a priori, ils doivent pas se mettre d'accord sur quoi bosser, en fait. Et c'est con parce que là, ils ont quand même pas le pognon, donc ils auraient pu faire quelque chose, quoi. Mais. Après, celui qui est parti, honnêtement, je le trouve vraiment. Je le trouve vraiment très très bon, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en solo en fait. Putain, mais si je l'ai. Chier. Ah, attends, ça coûte cher. Ouais, pour 200, honnêtement. Je vais pas cramer toute ma thune juste pour 200 dégâts en plus. Une fois que j'ai eu des problèmes de co, changement de box par mon FAI, hop. Ouais, peut-être, mais le truc c'est qu'en fait là, je vais en changer. Tu sais, je suis SFR et je vais abandonner SFR pour passer ailleurs, a priori chez Nordnet ou Orange, je sais pas encore. Du coup, ça me fait chier de faire les démarches maintenant pour changer de box pour finalement dans 2 mois maxi, tout virer quoi. Et là, je pense pas que ce soit la box, à mon avis, c'est vraiment le problème sur la ligne. Après, est-ce que c'est à cause des travaux de la fibre que ça fait d'autres perturbations sur la ligne? Je sais pas.
Le fait pas sur un patron DSL, bah, ce que je me dis aussi, mais en même temps, en ce moment, il y a des problèmes. Après, voilà, c'est peut-être rien à voir. Hein. Mais normalement, effectivement, non, vu que c'est pas le même réseau. Mais... Bon, après, peut-être juste les affaires qui a des problèmes en ce moment. Hein. C'est pas... C'est con, ça me poussait pas longtemps, je disais, putain. SFR, ça fait vraiment très longtemps que j'ai aucun souci avec. Je sais même pas qu'il lance les boules de feu, mais vas-y, c'est bon, j'ai qu'à m'éclater ici. Attends, je sais pas. Là. Ouais, j'aime bien visiter les zones en entier. Des liens de connaissance, vous savez, là, est-ce que le monde est bien plus complet, là. Et au Falina. Ah oui, bon, ça par contre, c'est clair. Alors, ça, je suis bien d'accord avec toi que. Repère du gardien. J'ai pas encore beaucoup de tests. Bah le DLC pour l'instant c'est très cool hein. De Sir Sinclair, bah c'est cool ça. Frélita de tigre, mon dieu. Après, t'avais beaucoup joué toi à Dead Cells de base ou pas? Oh. Ah ouais, mais j'ai reskit, ouais, bah après, voilà. Bah, moi, c'est pareil, enfin, en vrai, j'ai. En vrai, pour le moment, j'ai juste fini en normal, en fait. Même en une cellule, j'ai même réussi à terminer, pour l'instant. Bon, après, j'ai pas non plus trop travaillé, mais c'est en fait, j'ai eu la mauvaise idée de camper le jeu à bloc pendant qu'il était en early access. Et du coup, bah, quand il est sorti, j'ai pas joué tant que ça, quoi. Et c'est pour ça que récemment, j'ai dit plein de fois, ouais, bon, bah, je joue plus au jeu en early access parce que c'est chiant. Après, je joue pas assez, en fait. Putain, ça coûte 30 nuls, mais en même temps, j'en ai un peu marre de mon wood, quoi. Les confettis. Chien menti. Libot de chapeau. Mais où va-t-il les chercher? Ouais, du coup, j'hésite en fait, en gros, à changer de. C'est ça que mon arme est pas ouf, mais.
c'est extrait non pas nanana, je suis persuadé, l'utilisation sur le corps n'est rien pour le moment, mais je te persévère. Ok, on récupère plein de thunes. Ok. À un moment, dans Scourgebringer, il y aura aussi des zones comme ça, a priori des zones dédiées, dédiées au lore. J'aime bien d'ailleurs dans Scourgebringer, ils rajoutent. Il rajoute le lore. T'as vu pour The Division 2 absolument pas, non. Ils ont fait quoi? Après The Division, le premier, j'ai fini par Rage Kit, mais saoulé. Mais, du coup, le 2, je l'ai pas tenté. Nouvelle extension, d'accord. Bon, alors du coup, armure de glace, essai magique, ressort statistique et tenue de fête, elle coûte 1. C'est la fête. Le miroir. Alors là, je sais pas quoi, je sais pas ce que ça fait. Ça traduit du robot de chasse. C'est le truc qui permet de les choper les, ce qui manque. Il faut payer 40 boules. Même ceux comme moi qui ont l'édition à 120. C'est pas vrai. Ah ouais, joli move de la part de. Mais grâce à leur web TV, Ubisoft, ils vont pouvoir t'expliquer pourquoi. Ils vont pouvoir mettre plein d'influenceurs très rigolos qui vont t'expliquer pourquoi tu vas repayer, mais c'est cool en fait. Je vais voir ça fait le stylax là. Ouais, hop. Palette 2, un coup de Gen 3. Alors voilà. Bah c'est clair que 40 boules quand t'as l'édition ultime machin, ouais ça fait un peu mal quand même. Après vraiment The Division, bah, le 2 je sais pas, j'ai pas testé, c'est la cruance, mais. Bon je pense qu'en même temps j'aurais dû le faire aussi en. J'aurais dû le faire en multi et je me serais peut-être plus amusé quoi. Jean-Michel influenceur ouais. Ah mais maintenant on a accès au gars. What the fuck? Mais je crois que c'était le boss. Je crois que c'était le boss caché lui. Depuis quand il y a le roi alors qu'on n'a pas. J'étais persuadé que c'était le méga boss lui. Ah peut-être qu'ils ont modifié alors du coup. Tigon, les sèvres sont pas locales par contre, mais sur Star c'est chelou pour un jeu solo, ouais, effectivement. Ouais, c'est pas très gentil. Ah mais on peut monter sur la main, ça change tout. Oh oh. Ah parce que je me disais, attends mais je fais comment avec mon arme qui tape à 3 là.
Putain, mais je joue n'importe comment. Allô? Ok, d'accord, ça me bloque ça. Un combat très propre. J'essaierai d'être à propre cœur. Mon roi. Oh, c'était moi le roi? Du Gigantus classique. Château de Tim. Ah non, mais du coup, c'est pas le... Ok. Ah non, mais on va aller... Ok, d'accord. Je crois que c'était le... Ok, je crois que c'est le boss de forme. En fait, non, c'est juste un... C'est son menu, ça? Salle du trône. Putain, et du coup, je sais pas où aller. C'est toi avec Skeletor, ouais, c'est ça. Alors, quel Skeletor ce qu'il y a à la fois? C'est pour rester dans le thème du tir. Skeletor musculaire, bah oui, carrément, quoi. Château de Tim ou celle du trône, j'en sais rien. Ouais, celle du trône. Ouais. Blablabla. Je vous avoue, je sais plus du tout. Ça devient compliqué, hein, le pathfinding dans Dead Cells. Oh. Ok. Et bah, ouais, c'est bien ça. Augmenter les dégâts, et bien. La foire du trône. On va prendre ça quand même pour un peu plus de PV, quitte à jouer n'importe comment, autant. Alors, t'es gigantesque, et ben on va commencer à l'upgrade. Il y a un truc qu'il faut que je vois, c'est la salle du trône. Putain, je sais plus si c'est le dernier monde ou pas en fait. C'est en vrai, c'est le dernier monde, il faut que. Et j'aurais tout intérêt à. J'aurais tout intérêt à modifier mes mutations, mais j'en sais rien en vrai. Ah, c'était complètement la fin. Ok, donc là en gros j'ai soit un raccourci vers la fin, soit je peux me refaire un niveau avant la fin alors. Bon bah dommage, j'ai pas... On aurait dû faire l'autre niveau.
Ah, je l'ai un petit peu bourré comme un âne, hein, pas se mentir. Bah, c'est là où il faut les 5 cellules pour pouvoir aller plus loin, aller plus haut, tout ça. Ouais. Pas de bourrage que du talon, exactement. Voilà, c'est Sébastien Deep Knight Bénard, Sébastien Bénard qui a quitté le studio. C'est beau, exactement. Ah ouais, c'est fini. Alors après, quand t'es vraiment très très bon, tu joues en 5 cellules, t'as un trou las basse, mais en vrai, 5 cellules, ça n'existe pas. Ok, donc là on a chopé le loot en plus, qu'on n'avait pas avant. Il y a encore tellement de trucs à choper, c'est abusé quoi. Et là j'ai des nouveaux costumes. Alors donc du coup, donc là en ce moment j'ai le conjonctivus et du coup j'ai débloqué la tenue de Fat et j'ai débloqué la tenue du jardinier royal. On prend la tenue de Fat. Ouais. Par contre, le miroir, c'est quoi alors? Bonne soirée. Ok, ça marche, des bisous, Grammoule. Alors, c'est quoi ça? Comme si je devais encore faire quelque chose avec cette créature. Ah, ok. Donc là, en gros, ici, il va. Ici, il va donner des indices sur les mobs qu'il va falloir que tu fumes pour récupérer les plans que t'as pas encore. C'est comme vous avez pu voir, en fait, tous les plans, donc tous les trucs là, en fait, certains mobs qui les lootent. Donc lui, il a sûrement looté un objet que j'ai pas encore. Donc il faut que j'en pète plein jusqu'à looter le plan. Plus affectueusement, Kremoul. Bon, alors est-ce qu'on fait genre on sait jouer au jeu et on passe en une cellule? On peut essayer. Hein. Alors le vrai problème en fait du une cellule, c'est que bon bah, le jeu est plus dur évidemment, mais c'est qu'en plus t'as pas full soin en fait. À chaque étage tu peux pas forcément te soigner. Et ça c'est chaud. Ok, bien joué. Attends, j'ai eu quoi comme épée? C'est moi ou j'ai une arme de merde? Ah non. Ah ok. Et il y a des nouveaux mobs aussi. Vous voyez par exemple là, ce mob là, il n'existait pas en normal. Putain, ça c'est fort, mais honnêtement, c'est tellement long que je vais me faire défoncer avant de pouvoir l'utiliser. Non, mais j'ai pas vu l'heure, j'ai pas dit. Ok, ça marche, des bisous, Dyson. Ça c'est cool ça. Ah, on prend les dagues jumelles, je les aime bien. Putain, mais j'ai pas vu. Enfin, moi qui me dis ressemble, il est invisible, mais. Pas de raison. Quoi,
Le grand duc de combat. Putain, il m'a encore. Ah! Là, comme ça me permettra de valider mes cellules et aussi de j'avoir le raccourci, enfin j'avoir la porte ouverte. Voilà. J'avoir cette porte là qui va me permettre de récupérer pas mal de pognon ainsi que des cellules. C'est toujours plaisir. Voilà, c'est plutôt cool ça. Mais ça me fait vraiment halluciner par contre que. Enfin c'est tant mieux hein, que c'est pas droppé la connexion quoi. C'est quand même fou quoi. Je peux pas aller sur Twitter, je peux pas ouvrir une page Twitch, je peux rien faire. Mais en upload, ça va pas trop mal ce soir. Enfin tant mieux évidemment, mais. Alors c'est quoi là le grand duc de combat? Invoque un grand duc allié, pour le renforcer, un acteur de commandant de nouveau. Les grands ducs disparaissent, ça suffit des dégâts. D'accord. Ah donc il y a vraiment des. Ils ont remis des compagnons quoi, c'est marrant ça. Bim, un petit coup de silex. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'est pas trop mal ça, mais. Perdre votre âme. Pourquoi perdre votre âme? Je comprends pas trop. On va. Ah, perdre votre âme, peut-être s'il meurt. Alors, du coup. Il marche comment? Soit on peut mettre des coups comme ça. Là, on peut faire des biches. Ok. Ah, c'est comme des bons dégâts en fait. Alors, lui il me propose quoi? Oui, et oui. Du coup, je vais prendre quoi? Je vais prendre un nécromancie au pire. Ouais. Ah, c'est une charge de potion. Bah ouais, mais. J'avais utilisé une. Ah oui, si j'avais utilisé une charge, c'était bien. Oh mais quel tarage, mais c'est pas possible, sérieusement. Ça met quand même des bonnes prunes à ce truc-là. Putain.
Voilà, je peux l'ouvrir parce que j'ai une cellule. Mais bien souvent, c'est les trucs, c'est les petites Z ou. Voilà. Enfin, les petites Z ou des. Non, le mien est mieux. Bon, en tout cas, des magasins en plus, ce genre de choses. Je suis allé là ou pas? Oui. Tiens, Alice, je me demandais, Elliot, il a quel âge maintenant? Purée. Non! Si... Mais Capitaine n'avance pas. Ah. Bisous Malkin. On va prendre ça à la place. Quatorze, d'accord. Ah, du coup, j'ai pensé il y a pas longtemps, je me disais, putain, mais il a quel âge, monsieur? Enfin, en fait, je me pose la question parce que je suis allé aux 40 ans d'un pote samedi dernier. Et en fait, son fils, il était né quand. Ça s'appelle réjouissant qu'il ait 14 ans. Non! C'est vrai que. C'est vrai que. La fin de temps, t'as mis les trois petits points. Ça sent le côté, ça sent l'adolescence un peu roubou à gérer quoi. Et du coup en fait donc je suis allé 40 ans d'un pote samedi soir et en gros lui son fils il est né quand on était en licence. Et sauf que maintenant bah il a 16 ans quoi. Et ça m'a mis un peu une tarte en pleine tronche évidemment. Et du coup je me suis dit tiens mais au fait dans ceux que je vois encore tout petit, il y avait ton fils aussi. Et voilà. Et finalement, je pensais qu'il était presque plus grand en fait. Ah merde, full drop. Bon bah, désolé. C'est pas que je sens que tu te ouvrir. Ah bah ça, ouais. Ça, c'est clair. Ah, c'est bon, il y a un petit drop, mais ça revient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez-moi, le pot s'est fait mal. Non, c'est bon, il est revenu. Merci beaucoup pour le sub. Ah mais du coup c'est Malakin qui a sub tout le monde. Parce qu'en fait je vois pas, j'ai pas les alertes avec ma connexion complètement à la ramasse là. Ah mais du coup c'est Malakin vu qu'elle a le petit cadeau. Hein. Merci énormément Malakin. Donc ici c'est un truc à déverrouiller, hein. il y a des clés du jardinier à choper. Qui sont à trois endroits différents. Hop là.
Non, moi je suis parti, regardez. Ça marche des bisous. Mais non, mais non! Et du coup, ouais, donc, pour parler de mon pote, lui par contre, donc son fils il a 16 ans, et, ouais. Et bon, ça a l'air très très. Enfin, ça, ouais. Puis par contre, c'est le côté. Bah, tiens, on a vu la rose là. Donc là, la rose, ça fait partie des clés pour le truc. Et lui, ouais, son fils il a 16 ans, apparemment, c'est très compliqué à gérer, quoi. Qu'on arrive pour discuter un peu et je peux on parle de thé, je fais ah machin ça ton fils, il me dit bah t'imagines un grand de 16 ans qui arrive et qui fait ouais je m'en fous. Je lui dis oh, t'abuses quand même. Et là il y a son fils qui arrive et putain mais c'était vraiment ça quoi, j'ai halluciné quoi. Il est c'est le cliché complet des adolescents quoi. Il veut rien faire, il est tout mou, il s'en fout. En plus, ça m'a fait bizarre parce qu'il est vraiment super grand en fait. Enfin, mon pote, il est un peu plus grand que moi déjà, donc déjà c'est relativement rare, on va dire. Mais son fils, il est. Oh, purée. Je pense que son fils, il fait facilement un 95, un 96, quoi. Donc c'est encore pire dans le sens où. T'imagines un mec qui est vraiment super grand, qui est tout voûté comme ça, et qui. Du coup là maintenant il a une copine donc mon pote il me disait non bah là c'est mort quoi, il fait plus rien hein, quoi. Il est évidemment persuadé que c'est la femme de sa vie etc quoi. Enfin normal quoi, comme tout le monde quoi. Mais c'est marrant comme en 2 ans ça a changé quoi. Parce que, bah, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un coup j'avais dit j'étais chez un copain et mon fils du coup il a découvert Fortnite parce que justement le fils de mon pote il joue à Fortnite etc. Du coup il a passé la soirée avec les grands à jouer avec eux quoi. Et donc c'était lui quoi. Et c'est marrant comme en 2 ans bah finalement la Fortnite il s'en fout complètement et maintenant c'est plus que les vêtements sa copine et voilà quoi. Ça match. Ouais. Ce que je dis toujours, je sais vraiment pas comment ça va se passer le jour où mes gamins commenceront à devenir moins naïfs et commenceront à répondre et tout. Ouais. Enfin, surtout que j'ai pas bien de patience donc. Ouais, donc la deuxième clé elle est là. Et la troisième en fait elle planque le décor. Mais je sais pas si on l'a déjà vu ou pas parce qu'elle le voit pas trop quoi. Mais non, mais non. Ouf. Tiens, prends-toi ça. Oh. Mais c'est rigolo par contre qu'il se pose. Ah merde, ouais, ça. Ouais. Non, c'est bon, ça revient. C'est. Enfin, ça revient. Pff, non, ça revient que. Ouais, bah là, désolé, hein, ça fout le drop, hein, je le vois. Et le pire, c'est qu'en plus, je peux même pas écrire, hein, donc je peux juste vous parler. Alors, je sais pas si vous m'entendez encore. Mais ouais, ça continue à drop.
Ok, c'est bon, c'est revenu a priori. Il y a marée des fugitifs là, mais le truc c'est est-ce que je vais vraiment aller au marais alors que je connais pas vraiment la zone? Ça c'est la vraie question quoi. Ouais, re. Ah tiens, elle est là. Et pourquoi je peux pas la ramasser? Ah, peut-être que je chasse en se tombe dessus, je sais plus. Et ouais, du coup, je disais, c'est marrant qui. Ouais, voilà. Voilà. Tac. Ok, donc là, j'ai toutes les clés, donc je vais pouvoir aller. Au pire, je peux y aller. Ouais, c'est A, là. C'est marrant qu'il se pose à son père et pas à toi, quoi, du coup. Alors, vampirisme d'une proche scène, non, et là c'est un roman dans son héros. Eh, ça peut être pas mal ça quand même. Non, celle-là il faut. Ouais. Du coup, toi, elle est un peu vicieuse parce que non seulement elle se voit pas trop, c'est les planquer dans le décor, mais en plus, faut faire du stomp. Mais y a pas mal de trucs un peu cachés comme ça dans le jeu. Et sinon, je peux peut-être faire vampirisme. Quitte à l'avoir pris. Ouais, il y a le charnier, mais pff, je le sens pas trop. Ouais, je crois que je vais aller en haut. Surtout de la prison. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai à débloquer par là? Ah, il y a ça, je peux débloquer chaque compagnon champignon, c'est cool. Ok, 31. Qu'est-ce qu'on va prendre, j'en sais rien. On va débloquer l'éventail juste pour voir ce que ça fait. Ah merde, a peut-être fallu que j'aille resavater le boss là pour avoir la griffe droite. Ouais, pour le fun, c'est backhand quoi. Alors du coup, je vais juste essayer de voir ce que ça donne à les éventails. Putain, ils sont cool les éventails en vrai. Ça m'embête parce que si je prends le compagnon, ouais, je perds la bombe incendiaire par exemple. D'accord, donc ouais, ok. Et après, je fais clic droit pour le. Ok, on va essayer de faire ça.
On va reforger ça, on va reforger lui. Alors, qu'est-ce qu'il me propose, Jean-Michel? J'ai pris quoi? J'ai pris. Et ça qui est bien. Ça qui est fort aussi. Ouais, je vais prendre ça, je pense. Ça sera un peu plus safe. Bah tiens, du coup, là, c'est un endroit où on peut refiler la potion. Tant mieux. Hop là. Ah, mais je garde le champignon. Hein. Hop là, il est là. Non, mais surtout qu'en plus, le champignon, j'ai jamais pris, donc j'ai envie de voir ce que ça donne, ça a l'air rigolo. Puis vu comme ils sont relous les champignons dans la zone où tu les découvres justement. Ah merde, mais faut que je. D'accord, faut que je l'invoque au début de truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors par contre le vampirisme, mais il revient quand? Il revient jamais. Hop hop hop. Ok. Ah! Oh, j'ai tellement me faire défoncer. Ouais, c'est rigolo le champi. Bon, après, je pense que je vais regretter le seul choix quand j'arriverai sur un boss et que le boss va m'ouvrir en deux. Ouais, écoute, tu vas prendre les dégâts de l'arme. Ah, mais par contre, c'est cool ça en fait. C'est un. Mais qu'est-ce que j'ai fait au jeu pour qu'il me file que des légendaires, des boucliers, quoi? Il le sait, le jeu, que je joue pas avec des boucliers. Fait chier. Putain, mais filme-moi des vrais légendaires, quoi. Ah, merde. Et par contre, est-ce qu'il m'embête, c'est le. Vampirisme vide. Vous pouvez le remplir en consommant une potion de soin. Ah mais d'accord. Okay. Ah ouais, donc vampirisme c'est. Oh putain, j'ai jamais vu cette vie. Ouais, du coup vampirisme c'est cool, mais ça pour les PV quand même. Faut en prendre ça, une grenade, ça peut être pas mal. Et hop. Bim. J'avoue qu'il est rigolo comme petit choupier quoi.
J'ai perdu des points de vie en bêtement là. Ah merde, c'est vrai que j'ai oublié qu'il a la même attaque que moi. Putain mais arrêtez de vous suicider, c'est nul quand vous suicidez, j'ai pas les. J'ai pas les PV quoi. Mais en fait, il fait lui-même des dégâts en fait. Il inflige 133 de dégâts. Dégâts plus 75%. Blablabla. Il charge, interrompt les ennemis. Il inflige 133 et 266 additionnels si jamais il les met contre les murs. Après, si je le invoque à nouveau, il met 800 points de dégâts quoi. Et il a plus 30% de dégâts sur une cible qui brûle, tiens d'ailleurs. Faut que j'y pense à ça. Ouais, c'est lui qui bourre les ennemis depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est plaisir ça le la bouffe là. Et la tête, ça marche, je sais pas. Je pense pas, si je peux pas l'envoyer trop loin, mais. Enfin. Ça se tente. Bon, cela dit, ça m'a filé de la bouffe, c'est déjà pas mal. Hein. Oh non! Mais. C'est un peu bête ce que je viens de faire là. Mais en vrai c'est fort hein, de faire tomber les ennemis parce que je rappelle quand même que les ennemis quand ils tombent ils prennent des dégâts de chute. Hein. C'est
par où, quoi, j'ai plus le truc là, je sais plus. Ouais, non. Si, pourtant, c'est pas là. J'ai pas la clé, mais. Alors, ça fait en partie une grosse quête que j'ai jamais faite. Faut l'amener super loin, la clé là en fait. Faut l'amener vers une des dernières zones du jeu. Ouais, je me penche dessus un jour. Ah, mais il est où mon compagnon? Ah merde! Oh, dégoûté, du coup je l'ai tué alors qu'il était même pas là. Triste. Hop. Mais il est où? Pourquoi je l'ai plus? Je comprends pas. Bon, je crois qu'il a bugué le champi. Triste. Je pense qu'il a oublié de se téléporter avec moi en fait. Et ouais, c'est parti pour le point noir. Le premier boss du jeu. Bon, normalement ça devrait pas trop mal se passer. Même si je vous avoue que je me rappelle plus exactement de ses patterns, mais. Enfin, vite fait quoi. Qu'est-ce que j'ai commencé à débloquer avec le Sarbacane pour rigoler, Nelly? Tac. Reforger. Ouais, pourquoi pas. Ah, merde, j'ai encore une mutation à choisir. Ouais, on prend ça. Ouais. Du coup, tac, on prend un coup. Hop, voilà. Mais où? Hop là. Oh, j'ai l'impression qu'il avait une tête différente à le champion. Ouais, je le sais. Ça met un peu de temps, mais au moins. Plein le pognon, plein le pognon. Alors ça, ça m'intéresse pas, ça je sais pas trop. Ouais, non. Youhou, youhou, youhou.
Du coup. Ok. Alors, ça me semble qu'il y a des milliers pour le laver. Ça me semble plus qu'un là, il y a 16, mais peut-être 2 pour 3 secondes. D'accord, putain, je savais pas que ça existait, ce truc-là. Ouais, c'est marrant ça. Ah non, il y a des nouveaux drops là. J'étais justement en train de me dire, bon bah ça c'est cool, il n'y a pas trop de drops, mais on va. Bon bah j'espère que ça va revenir vite. Hein. Ouais, j'avoue que là, c'est vraiment relou. Hein. Ah mais putain, j'ai la tenue que j'ai pas encore débloquée. 8. Débloquons la tenue. Allez, juste pour le fun, je vais tester les. Ouais, puis voilà, c'est full drop. Là, y a pas. Là, malheureusement, y a pas de manigame. Là, c'est. Alors du coup j'ai quoi? J'ai les gays des brumes ou alors. Ouais un sanctuaire endormi, non. Non merci. C'est trop relou. Ouais désolé, hein, je peux absolument rien faire. Hein. On va espérer que ça revienne vite. Et en plus encore une fois, je peux même pas parler sur le chat, hein, je peux pas écrire donc. Quoi, mais d'où il a? Ouais, bah là c'est vraiment full drop, hein. Je suis désolé. Mais non! Ok, c'est bon. Ah, c'est en train de revenir là, a priori. Ah, après, vraiment, c'est restabilisé. Comme quoi, il fallait mettre une emote. Ouais, contre 3000, là, on va le prendre. Hop. Je vais prendre la grosse en vrai. Ah, viens, mais j'étais ici, putain. Bonjour, je fais n'importe quoi.
la clé du village. Hop, j'ai pu ouvrir ça. The village people. Ah, Elite, putain, lui il va être trop lourd. Oh. Oh là là, oh là là. Pas de panique. Bon, j'avoue, j'ai paniqué. Parce que franchement, ceux-là, je trouve que c'est vraiment les pires modes de cette zone. Et donc, en élite, c'est... C'est un peu embêtant par contre que le champi disparaisse un peu. Oh, un cœur de glace, je connaissais pas ça. Faut vraiment que je fasse attention parce que je suis pas trop cher. Là. C'était clair, Renta qui se déplace à verticale. Alors, c'était un pouvoir de boss en fait. C'est les mid-boss, enfin, tu sais, les élites en fait, ils apparaissent toujours avec des pouvoirs spéciaux. Et ça fait partie des pouvoirs qui sont possibles. Qui sont bien relous d'ailleurs. Elle fait quoi celle-là du coup par rapport à la mienne? Elle fait moins, mais c'est une 6. Ouais. Non merci. Alors... Oh putain, je me demandais ce qu'il me tapait, mais c'était l'autre. Putain, je suis pas très bien. Putain, niveau point de vie, je suis vraiment pas bien en fait. Je crois qu'à la fin de cette zone, j'ai pas ce temps d'avoir une potion. Prendre ça pour les points de vie. Réussir, il me faut la clé pour avancer.
Non mais je suis con, c'est ici que je récupère une clé pour avancer. J'ai confondu. Ah, alors qu'est-ce qu'il me propose là? Vampirisme, ouais, mais vampirisme, si on peut faire. Ah, pour optimiser, il aurait fallu que je le prenne, que j'aille l'activer, que je revienne ici, et refaire l'inverse, mais j'ai la fleur. Ah mais je suis à la fin de la zone en fait. Ok. Très bien. Frère ennemi ralenti gelé, réduit les délais de réutilisation. D'accord, ouais c'est pas mal. Ok. Hop. Là j'ai rien de toute façon. Là non plus. Et là. Ah non, mais redrop. Allez, s'il te plaît, la connexion. Tiens encore un peu. Tiens encore un petit peu, de toute façon, je vais pas tarder à mourir. Oh. Arc rapide. Je serais médiocre comme ce soir, les deux seuls objets uniques qu'on aura vus, enfin les deux objets légendaires qu'on aura vus, ça aurait été deux fois en bouclier, je suis dégoûté. Honnêtement, les objets légendaires, ils vont avoir des trucs complètement fumés. Oh non. Pourquoi une sarbacane? Ce serait pas une sarbacane légendaire ça, monsieur? Alors là, c'est monstrueux en vrai en DPS, mais... Ah, tant pis, on va la prendre. Hein. Dès que je mets qu'il va être pété par rapport à ce que. Oh, quoi, pas tant que ça. Ah, si, ouais. Oh, ça coûte tellement cher, 23 000, ouais, en même temps, on s'en fout. Allez, zou. Thank you.
En vrai, taper les ennemis dans le dos, c'est pas si évident que ça, hein, quand même. Alors, il y a un truc aussi à faire avec les cloches, hein, essayer de faut les taper dans le bon ordre. Ok, clé d'horloger récupérée. Alors que... Oh, mais je suis en tocard. J'ai vraiment fait ça. Attends, je suis où là? Pourquoi j'avais des... Ça marche, je visualise. Putain, je me demandais pourquoi j'avais le droit à un stun grâce à mon... Au dague jumelle, alors que normalement, ils ont pas d'effet de stun. En fait, c'est juste parce que ça n'a rien à voir avec les dagues jumelles, c'est... Oh la vache. Thank you.
Eh mais je suis nul. Ouais, bien joué ça. Je sais pas pourquoi je me suis dit, tiens, je vais aller voir pour aller le taper, je crois qu'il ne sert à rien. Voilà. Et on va l'horloger par l'arrière. Donc là, je pourrais aller au bas si je voulais. Mais dès que ça énerve pas mal, au point de cuire ta voix. Voilà, il y a des moments, je pense. J'hésite à aller à gauche ou alors rush le boss. Putain, ça. Bon, je regrette déjà mon choix de d'être allé là. Mais non, mais non. Oui. Parce que ah, ça va comme le coup de level up un peu là. Ouais, pour là-dessus. Ouais, zouf. On ça va être le boss. Enfin, ça va être le boss ou l'inverse d'ailleurs, parce que je suis plus chaud bouillant sur le boss là. S'il y a plein de trucs relous, avec des machins qui tombent du ciel et tout. Mais... Bim. Une nouvelle tenue. Wouhou. Du coup, je vais partir sur quoi maintenant, ça. Tiens, on va prendre le Grand Duc de combat. Ouais.
12 000, allez, bim. Ah cool, c'est un... Allez, en route. Ah non, mais... Ah, j'espère que le champignon va venir, j'espère qu'il va pas rester comme un con derrière la porte. Putain, il est derrière la porte. Ah cool. Tenue temporelle désertique. Excellent. Voilà, c'est Balek. Technique pareil. Et bah allez. Du coup il me reste quoi? Il me reste un niveau à le boss peut-être si je me débrouille bien. Ouais, je pense que si je rush direct vers je pense que si je rush direct vers la fin, il me reste plus que enfin plus que, en même temps cette zone est assez infâme quand même, enfin normal ça va, mais là je pense qu'en difficile je vais un petit peu pleurer quand même. Il faut pour tout débloquer dans le jeu. Ouais, honnêtement.
Je crois en voir en beaucoup parce que bah, t'es comme t'as pu voir, il faut quand même. Enfin, ça coûte cher quoi. Alors après, plus du jour en difficile, plus de job d'orbe, mais quand même quoi. Bon, c'est là où faut être bon parce que. Voilà, bien joué. Voilà, faut être bon, donc pas comme ça, merci. Alors pourquoi je disais faut être bon? Parce que tout simplement là. Voilà. En fait là les ennemis là, non seulement ils mettent des dégâts mais ils mettent des dégâts de malâtre. Et le truc c'est qu'une fois que ta barre orange elle est pleine, et bah tu prends les dégâts en continu. Ça c'est pas rigolo. Jouer un peu safe. Hein. Okay. Ok. Je sais pas si c'était que cette créature, mais. Ouh, ok, d'accord. Ok, donc ceux-là, je les ai jamais vus, très bien. Il a tout dans les pics. C'est bon ça. J'ai cru qu'il n'y a rien. Alors c'est lequel, je sais plus. Après.
sur un vent parce que. Ah oui, en plus c'est. Bon là en vrai avec deux clés je peux déjà aller voir le boss final. D'ailleurs je me demande si je vais pas le tenter comme ça. Parce que l'idée d'avoir. Enfin l'avantage d'avoir trois clés en fait c'est que tu peux avoir un bonus avant le boss. Mais en vrai je m'en tape un peu d'avoir un bonus avant le boss. Alors, en fait si je trouve là. Mais j'ai jamais fini le jeu en plus 1. Donc là je suis potentiellement en fait sur ma meilleure run. Après j'ai pas très rare non plus hein, parce que finalement les plus 1 machin et tout, ils ont mis ça assez tardivement. Donc c'est pour ça je pense que je vais pas. Oh mais d'accord, mais ok. Bah, écoute mec, t'as qu'à traverser tout l'écran, y'a pas de soucis. Je le vis bien. Le truc c'est que je sais pas où est la. Ah non, mais redrop, vas-y, s'il te plaît, le jeu, quoi. En gros, là, si j'ouvre celle-là, ça me permet d'accéder au machin qu'il y a là-bas, mais. Pour juste récupérer quelques. Genre, c'était juste un équipement ou une arme, un truc comme ça. Ok. Alors, Reforge. 100% cette cible qui brûle, ça me va très bien. Pff, ouais, ça c'est. En fait c'est chiant parce que finalement c'est dur à utiliser la sarbacane quoi. Ça me fait plaisir d'avoir une sarbacane, mais en vrai. Là par contre 8 complètement j'ai réinitialisé. Alors un des trucs que je vais prendre hein, déjà, c'est mort à l'intérieur, qui fait que j'ai plus de points de vie. La nourriture me soigne plus, mais on s'en fout parce que de toute façon. Voilà. Donc on va prendre ça. On va prendre le truc qui fait que quand je me fais toucher, voilà, j'ai moins 60% de dégâts et j'ai plus de DPS. Et je peux mettre ça, le fait que si j'utilise une potion, ça met plus 6600 de DPS. Ça me paraît pas mal aussi, ça. Il n'y a pas un schéma garanti. Non, je crois pas. Enfin, dans les autres difficultés, non. Alors après, peut-être que. Peut-être que j'aurais dû le faire parce que. Peut-être que j'aurais dû le faire parce que du coup, dans cette difficulté-là, il y avait un truc à débloquer, mais il me semble pas.
Et ouf, le boss. On va essayer de les faire un poil plus propre que tout à l'heure. Bon, tu me diras, ce sera pas dur de faire plus propre, mais. Putain, mais j'aurais dû. Putain, j'aurais pas fait ça, mais je suis trop con. De recyclage. Tu es une canne infidèle. Petite run d'une heure, allez. Terminer le jeu avec une cellule souche. Les choses, ça se commence. Donc voilà, donc maintenant je peux le faire en deux cellules souches. Donc la différence c'est que retire toutes les fontaines de soins. Deux fois plus. Ah voilà, deux fois plus de cellules sur les ennemis. Donc, hein. Améliore la force légendaire. Nanana. Donc, maintenant on peut faire du E++ et du S. Temporelle classique et maintenant du coup j'ai la temporelle machin, j'ai le J-Contus classique, classe. Oui mais ce que j'allais dire, c'est que vraiment ouais, t'as vraiment un gros boost de cellules après. Hein. Et heureusement parce que sinon.
par contre, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Hop là. Bon, bah, du coup, j'étais super content d'avoir rejoint Dead Cells, hein, clairement. Putain, le jeu est tellement cool. Ça me fait super plaisir de voir des nouveaux environnements aussi, le nouveau boss. Finalement, on a fait qu'une seule fois les nouveaux environnements. Je pensais le faire plusieurs fois, mais... pour rien vous cacher, je pensais vraiment que ma run, une cellule, j'allais la foirer rapidement, donc voilà, mais du coup, je suis bien content. Je suis bien content, j'ai débloqué un truc de plus. Bah, je rejouerai de toute façon encore le 15, hein. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Demain soir, bah, je sais pas encore ce que je stream. Honnêtement, j'en sais rien. Peut-être un puzzle game, filament. Ou alors peut-être du Dissender, ou j'en sais rien. De toute façon, bon, clairement Dirt Rally 2, c'est archi mort. Mais ouais, Filament, s'il a le temps de télécharger, ça peut être cool. Ça a l'air plutôt sympa comme un... Pas de défaitiste, non, mais c'est mort. Hein, c'est archi mort. Et toi, j'y étais pas, parce que hier, j'allais même laisser l'ordi tourner toute cette nuit, là. Mais dans toute la nuit, j'ai dû télécharger... Si je dis pas de bêtises, j'ai dû télécharger peut-être 2 gigas dans la nuit, quoi. Ok. Voilà, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, quoi. Bon. Finalement, le nouveau de Sion, déjà. Hein, quoi? Ah, pour le run, une base. Ouais, mais je crois qu'à chaque fois... Enfin, j'avais dû laisser une, deux fois le run, une cellule, je m'étais fait ouvrir, donc... Mais bon, en tout cas, bien cool. Bien content. Allez, bah du coup, des bisous, passez une bonne nuit, et puis à demain.